Sur le stand Pioneer, on retrouve une comparaison entre les dalles plasma de 7e génération et dalles 8e génération. 8e génération représentée par le PDP-508XD ici, un modèle HD ready avec TNT intégré. Alors comme on peut le voir en démonstration ici, ce qu'il y a de bien avec les dalles de 8e génération, c'est que Pioneer a appliqué un nouveau filtre sur la dalle et ils ont réussi à augmenter le niveau de noir de 80% par rapport aux générations précédentes. Donc ça donne des noirs extrêmement profonds, c'est complètement bluffant par rapport à l'ancienne génération, la 7e génération, et même par rapport au PDP-5000X qui est quand même une référence en la matière. On passe ensuite à un modèle plus entrée de gamme, le PDP-4280XA, A pour analogique. Modèle un peu plus haut de gamme, toujours 42 pouces, le 428XD. Alors celui-là est un peu différent car il a un port USB pour pouvoir y connecter un lecteur MP3 par exemple ou un appareil photo numérique contenant des photos qu'on peut visionner sur l'écran. Même modèle ici, là un 50 pouces HD ready attaqué par un lecteur DVD DV989 AVI, un des très très bons lecteurs DVD avec un bon scaler. On finit avec un modèle 60 pouces Full HD, le PDP LX6080D. Très grand écran attaqué par un lecteur Blu-ray, le dernier lecteur de la marque, le BDP LX70, sorti très récemment.